Parce que mon beau-frère m'a dit quoi. Fais un bol Lola. Ah, de cul, là. M'honorer là. Je suis venu t'accueillir personnellement. Tu donnes cet honneur à ma fête. Je sortais fermer la barrière. J'ai dit à maître, plus jamais je ne vais faire le chauffeur. Merci mon beau, c'est juste que tu m'as rendu. C'est une mambo, on n'a pas encore fêté le mambo. On n'a pas encore fêté ton beurre là. C'est quoi même? On profite aujourd'hui avec la fête des enfants là. Ah vraiment. Ah ça me fait plaisir, c'est un grand honneur pour moi. Merci mon beau. On dit que c'est le mambo. Merci. Sans vous dire rien non. Ah. C'est dans la barbe qui s'en fait. Elle ne savait pas comment être. Elle était invitée, tous ses amis sont là. Maître Fenzi également. Laissez-la avancer, s'il vous plaît.
revient pas, Marie-Jo. Elle n'en revient pas. Oh là là. Reste pas triste. Salut mon grand. Comment tu vas? Regarde, on a réservé pour moi cette surprise à Marie-Jo. Également un poids lourd. Marie-Jo! En fait, qu'est-ce que je vais dire de Voya? Elle s'en rend peut-être pas compte quand elle pose des actes. Il y a une chanson de Longuet Longuet. Témoignez-moi quand je suis encore en vie. N'attendez pas le jour de ma mort pour acheter ses cueils. N'attendez pas le jour de ma mort pour acheter Blazer. Tellement vrai. Voilà. Vous voyez, c'est ma petite soeur, mais on est devenus des amis, parfois même on est des co-épouses, parce que mon mari est où? Parce que on est même des co-épouses, parce que quand il veut défendre la cour de Marie-José, je me demande, mais attends, tu es de quel côté? Voilà, je disais que vous voyez, tu poses des actes, mais peut-être tu ne t'en rends pas compte. Il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses qui m'ont amené à poser cet acte aujourd'hui. Tu as eu ton anniversaire, tu as marqué le coup dimanche dernier. Je t'ai vu dans ton petit cadre. Tu as fait cette vie de donner l'amour avec ce que tu as. Et tu es fier de ce que tu donnes, parce que tu donnes avec tout le cœur.
tu vois ce que tu fais autour de toi pour les enfants, que ce soit au niveau de la famille, des amis. En 2014, elle est où, Rose Andréa? Rose Andréa est où? 2014, j'avais, au mois d'avril, j'attendais deux petites, bon, puisque finalement c'était deux petites filles, j'attendais deux petites filles au même moment. Il y en avait une qui devait arriver en Côte d'Ivoire et une qui arrivait en France. Et les deux, c'était des premiers pas, donc les enfants, bon, quand on accouche pour la première fois, on n'atteint pas toujours le terme. Donc j'étais tellement stressée parce qu'il fallait absolument que j'aille en Côte d'Ivoire et j'avais à la maison Rose Andréa qui devait arriver. Nous, on me dit, ne t'inquiète pas, pars et envoie-moi la maman de Rose Andréa qui est là. Fabiola. Donc Rouvogne a pris. Ouais. Rouvogne a pris Fabiola chez elle pour attendre son accouchement au cas où, pour me remplacer au cas où je ne suis pas là. Et le Seigneur a fait que je puisse assister aux deux accouchements. Mais en attendant, je suis allée en Côte d'Ivoire en dormant sur les deux oreilles, sachant que Rouvogne est là. La même année, j'ai mon fils aîné qui se marie au Cameroun. Je dois partir longtemps à l'avance, mais il y a des produits frais qui doivent partir au Cameroun à la veille. Vous savez, le saumon, le foie gras, c'est pas des choses que... Voilà, je vis en France, je ne sais pas comment je peux le conserver au Cameroun. Donc bon, elle me dit, vas-y, je m'en occupe. Elle a pris son billet d'avion, elle a pris les foie gras, elle a pris les saumons. Et à la veille du mariage, elle était là, sans rien me demander. S'il vous plaît, applaudissez. Je ne sais pas quoi, je vous cite juste des choses comme ça qui sont vraiment... Je ne vous parle pas du quotidien. Je ne parle pas du quotidien parce que je bouge beaucoup. Et chaque fois que je bouge, elles sont deux là avec ma fille qui est la Sandrine. Elles viennent à la maison regarder si mon frigo, si papa a quelque chose à manger. Donc quand je bouge, vous voyez souvent monter, descendre, et tu as beaucoup de force, tu dis comment tu fais pour être partout au même moment. C'est parce que j'ai des arrières bien. J'ai des arrières bien assises. On dit un arrière ou une arrière. J'ai des arrières bien assises. Bref, donc c'est parce que j'ai des personnes derrière moi. Et pour la dernière fois, la dernière des dernières, c'était il y a deux semaines, j'ai organisé un événement pour que le roi des Bangla rencontre son peuple. Et son peuple lui-même n'était pas avec moi. Si vous voulez, ils ont même carrément boycotté. C'est ma cousine, mais elle n'est pas Bangla. Moi, je suis de mère Bangla et j'ai été mariée chez les Bangla. Mais elle n'est en aucun cas Bangla. Nous avons apporté l'événement. J'ai préparé cet événement en une semaine. Mais je travaille tous les jours. Et pour ceux qui étaient à Nanterre, il y a deux semaines, vous pouvez témoigner ce qu'on a sorti à Nanterre. Les gens se demandent comment je fais. C'était encore un bon jour. Et le saumon des saumons, c'est quand j'ai perdu mon unique sœur. J'ai passé trois semaines ici avant d'aller l'enterrer. C'est l'occasion pour moi de vous remercier parce que ça fait une semaine que j'ai envoyé les... Et Maître faisait dire ça tout à l'heure pour blaguer. Ça fait une semaine que j'ai envoyé les petits SMS et vous voilà réunis pour m'accompagner dans ce bonheur parce que quand on donne du plaisir, on en prend aussi. Donc je vous remercie infiniment d'être là et à ton endroit, ma chère, ma soeur, viens. Ma soeur, parce qu'elle là, elle me suit depuis. Oui. Je voulais qu'on comprenne. Nous voyons toute jeune,
mariée très jeune à Yaoundé. Mais Mbou Dovonia me suivait à Douala. C'est nous qui avons créé le groupe Kouchouama dans le quartier Bamaté. Mbou Dovonia me suivait à Douala, elle venait danser le mesquin le week-end avant de rentrer à Yaoundé en tant que femme mariée. Et aujourd'hui, l'histoire continue. Et je dis merci Seigneur et merci à vous qui nous accompagnez. Je n'ai pas de mots. Voilà, j'ai posé les actes pour dire combien, combien de fois je t'aime, ma sœur. Donc, on m'a dit que l'initiative, c'est lui. Parce qu'il a dit, bon, toi qui sais toujours faire les choses, il faut que je commande quelque chose pour moi, José, c'est ton anniversaire. Pense à quelque chose et on va le réaliser. Et donc, vraiment, Papidou. Je vous remercie, on a pris beaucoup de retard parce que j'arrêtais pas de dire à tous les invités comme quoi à 13h il va falloir être là parce que je sentirais que quelle allait quand tout le monde est assis. Et là vous êtes allé au-delà vraiment du programme qui a été préétabli et vous êtes là sans vous fâcher, vous êtes content d'être là. Je vous remercie pour ça. Merci. Les miss peuvent rester là. Voilà, il y a les hommes très galants sur cette table. N'hésitez pas. Thank you.
la tomate. Elle m'a mis au sur la tomate. Je ne vois pas. Je te remercie d'avoir passé le micro, je ne m'y attendais pas. Ouais, j'ai tenu à déplacer Papa Zoé. Oui, je pas. Il est là. Ah d'accord. Papa Zoé, je te remercie d'être venu. Et je tiens à signaler quand même que Papa Zoé ne voulait pas venir seul. Il a fait des pieds et des mains pour faire venir d'autres amis à Dougvogna. On n'a pas pu. Oh, d'accord. Voilà, parce qu'on devait avoir 10 années ici aujourd'hui. Oh pour ceux qui connaissent, voilà, c'est dommage, on n'a pas pu. Le pauvre, il n'a pas pu. On n'a pas pu. On est le 15 août, hein, tout le monde en vacances. La première, là, tout de suite. Voilà, ils sont en déplacement. Donc, je vous passe le détail. Il y avait pas mal de personnes qui pouvaient être là ce soir, mais on est le 15 août. Mais il fallait absolument que je marque le coup maintenant, parce qu'après, ce sera un peu compliqué par rapport à mon problème personnel. Voilà, donc si j'ai déplacé Papa Zoé aujourd'hui, c'est un très très grand ami à Vogna. Parce que bon, on dit souvent qui se ressemble. Parce que bon, voilà, on me connaît très bien dans la place parisienne comme quelqu'un qui est très près de la culture, c'est qui œuvre beaucoup pour la culture. Je suis tout le temps avec tous les artisans de la culture, dans le sens le plus large du terme, hein, que ce soit moderne ou traditionnel. Et Bougonia, de son côté, elle a aussi son carnet d'adresse et c'est tout ça qui fait notre amitié parce qu'on voit les choses de la même façon. Donc, en ce qui concerne Papa Zoé, bon, c'est celui-là. Je sais que Papa Zoé va venir manger le congrès, je suis avec mon ami. Et Papa Zoé, je ne pouvais pas lui demander ton téléphone parce que je n'avais pas ton téléphone. Ici, je dis merci à Périgord. Parce que Périgord étant aussi un homme de la culture et un artiste de renom. Donc je savais qu'en passant par Périgord, je ne pouvais pas avoir ton téléphone. Donc, et à vous deux, je vous dis infiniment merci. Et merci, j'espère que tu as pris ton plaisir. Et que... voilà, et que la star de la journée, j'espère que toi aussi tu as pris ton plaisir. En tout cas, merci beaucoup. Et en ce qui me concerne, je m'en fous, je vous dis, je m'amuse très bien, je suis bien. Merci encore. On applaudit une fois de plus pour Ndiamo Mbonin.
Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on va devoir continuer la soirée avec notre star de la soirée, hein, Papa Zoé, qui va revenir, n'est-ce pas, faire une chanson pour Marie-Josée. Alors, je vous rappelle une fois de plus que Papa Zoé, c'est un artiste de renom. C'est un poids lourd de la musique camerounaise, hein, un thermomètre de la musique africaine. No anu ni munao di ano na timbe ambae esele sotomana na timisele wa masomae yola muto voilà merci. Yeah, but you say you're not crazy,
Avancez, avancez.
merci mon frère, merci beaucoup, merci. Merci aussi à Papinou. Merci à Papinou. L'enfant de l'homme. Les gens, l'enfant on va de l'homme. Merci. Merci.